Demande à des gens dans la rue, en Duke et Chris Brown, c'est qui vous prenez pour un iPhone? So shy and the lonely guy. No, je veux manger les amis, je sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je dois manger. Ok, je viens de finir ma vidéo intro, retour, whatever. Qu'est-ce que je dois... Ok, là il faut que je m'habille, je sors dans genre 10 minutes. J'ai 10 minutes pour m'habiller. J'ai regardé dans le groupe chat, les filles ont dit, oh oui, heels et jeans. What? What is that? So là maintenant il faut que je trouve heels et jeans dans ma garde-robe. It's not good. It's not good. I don't have heels and jeans. I don't have that. Oh mon dieu, ils sont même pas repassés. Mes jeans sont pas repassés. Je pense que je vais mettre ces jeans-là avec des talons à main. Ok, quels heels? Heels and jeans. Heels and jeans. Heels and jeans. Ça. Ok, so comme les filles ont dit heels and jeans, j'hésite entre eux deux. Dites-moi lesquels que vous préférez. Même si vous me dites ça va être trop tard dans les commentaires, je vais déjà avoir choisi, mais quand même, dites-moi c'est quel que vous aurez préféré. So, lui. Ok, je dois le repasser. Oh my god, j'ai genre 10 minutes pour sortir. Puis, ceux-là. Ok, je vais choisir. Je vais mettre un chandail blanc, I guess. Un bodysuit blanc parce que pour de vrai il fait froid mais il fait chaud en même temps, so yeah. Je vais mettre ça par dessus puis je vais mettre des ok, je vais mettre des heels brunes, ça vu que je vais mettre ça, yeah, whatever, ça ou ça. Je pense celui-là. Oh my god. J'ai les d'autres aussi brunes, mais en tout cas, bref. Ça ou ça. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Ok, so finalement, au lieu de mettre un jeans, genre pantalon, je vais mettre une jupe en jeans. Et yeah, ça me tente pas de repasser quoi que ce soit. So, on va mettre la jupe. Si je prends une photo Instagram, I hope you're gonna like it. Ok, guys, mon chandail est tellement transparent, on voit mon soutien-gorge en dessous. Ok, il faut que je vous montre. J'ai commencé à utiliser un nouveau déo, so j'utilise lui. J'aime pas trop la texture, mais qu'est-ce que je fais, c'est que je le mélange avec lui. So je mets ça, après je mets un spray de ça. Minéral, pouvez-vous voir? Minéral Crystal. C'est mon ami qui m'a put on à ça, elle m'a dit qu'elle quand elle utilise elle sent rien, so je mets ça, après je mets ça une fois chaque, c'est ça comme scent of the day, so j'ai mis ça et je vais mettre un autre parfum avec pour juste, je vais mettre Victoire, est-ce que je vais mettre ça, non je vais pas mettre ça, je vais mettre ça, lui de Seven Virtues. Yeah. J'aime pas l'odeur. Ooh, I'm kinda cute. Est-ce que je l'attache? Yeah, it's giving attachement. It's giving attachement. So je vais l'attacher. Puis je vais rouler encore le col. Ok, je vais sortir celui-là comme rechange là, comme il y a un petit peu de vent, so c'est pour ça que je me permets de mettre ça, you know, kinda be cute, trying to be cute. Je prends ça en sandales, je vais conduire avec, I guess. J'ai déjà mis de la crème sur tout mon corps, de l'huile, tout ça, mais je vais quand même mettre ça de Tree Hut sur mes jambes et sur mes pieds. Est-ce que c'est, je sais que je suis pas la seule parce que j'ai une des amies, on parlait de ça, puis elle me disait qu'elle aussi a fait ça, comme je mets la crème sur, en dessous de mon pied, genre, parce que je peux avoir des pieds qui craquent, genre. Right. Je vais vous montrer mes pieds live. Allez voir sur TikTok, j'ai montré une vidéo de comment j'ai fait mes ongles. It's cute. I like it. Puis même quand ça pousse, genre, ça paraît pas que c'est à refaire. Ouh.
Ok, vous pouvez pas voir bien. Attendez, je vais essayer de vous reculer le plus possible. Est-ce que je... Oui, je dois l'attacher. Faut juste ça. Ok, j'ai embarqué mon Mercury de Morphe avec moi et Staycation aussi de Huda. Je vais prendre... non, je vais prendre lui de Kali. Ok, j'ai un petit roll-on, un parfum roll-on de Kali que j'ai amené avec moi. Et on y va. Ok guys, on était censé aller au Evalinas, mais on a manqué l'heure de notre réservation. So là maintenant on est au Arthur's Nush Bar, something like that. Yeah. Je vais montrer mes amis. Je vais filmer genre le bleu. Elle a pas pris de jus. She's talking about this, c'est le mimo ça que j'aime. Ouais. Ça c'est quoi? Oui. Normal? Oui. Ça c'est avec les bananes? Mais oui. Regardez, regardez les influenceuses. Ça travaille fort. Ça travaille fort. Ok, regardez la nourriture. Pour de vrai, je comprends pas de la œuf. La nourriture est très belle quand même. Pas splendide. Toi tu dis c'est belle? La ça c'est belle? C'est propre, j'ai lavé l'assiette. Ok, regardez les assiettes. Juste pour vous dire qu'il reste pas grand chose. Guys, rien à dire, 100% Arthur's, venez, juste venez goûter. Y'a pas de promo, guys. Soyez pas chaud. Juste venez goûter. Évidemment, on est en train de faire des TikToks. You guys, il reste juste ça comme de tout ce qu'on a mangé. Ça c'est mon assiette parce que je sais pas pourquoi mon assiette est encore là, mais toutes les assiettes sont parties. On a dévoré la nourriture des gens. T'es prête? You can do. Ma belle. C'est vraiment ça, behind the scenes. C'est les trois caméras qui me gênent. You ate that! Ah, j'ai pas fait mes boucles comme d'habitude. Je les ai faites à l'intérieur au lieu de l'extérieur. C'est pour ça que je trouvais que c'était bizarre. But it's okay, anyways. C'est cool. Thank you. Parfait. Cool. On va faire un peu de photos dans le restaurant, y'a. Yeah. What's up? What's up? Who's gonna check us? Who gonna check me, boo? Who gonna check me, boo? Chris, who? Yo, elles sont en train de argue et demandent à des gens dans la rue entre Drake et Chris Brown, c'est qui que vous prenez? C'est trop drôle, les gens sont... Il y a une personne qui a dit Drake, l'autre personne a dit Chris Brown. On va voir. Vraiment, c'est l'homme de beef parce que ça se passe mal dans l'auto présentement. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Team Breezy ou Team quoi? Team Drake. Voilà. Ou Team l'autre là. All I gotta say, c'est que si un jour je vais quelque part puis je vois Candy chanter du Chris Brown, I'm calling the police. I'm still gonna sing with my whole chest, ok? You call me, and I need you, boo. Et je vais chanter, and I need you, boo. And I'm rocking the world tonight. And I'm rocking the world tonight. Je ne vais plus jamais écouter la chanson. Là, je dois sortir mon London accent. Sorry. Don't you say. It's just like. Are you mad? Tu ne seras pas dans un endroit où est-ce que tu vas entendre du Chris Brown parce que comme they're playing Drake. Oh, non, c'est pas le Québec. Chérie, où est mon bain? Chérie, où est mon bain? Ça veut absolument rien ça veut dire. Rien dire. J'aime tellement ça le dire. Ah non, moi je l'ai fait avec ma j'ai la phobie. Moi, c'est ça, je suis comme avec mes petits cousins là. C'est comme ça. Si tu dis quoi Québec. Et Apagna, je suis comme non. Je comprends pas ça. J'étais 24 heures avec eux, c'était comme quand ils disent Apagna.
Mais ça veut rien dire, c'est ça le truc. Mais j'ai l'impression que ça a été inventé par les gens qui sont tannés de se répéter. Tu sais, comme quand t'as quelqu'un qui à chaque fois tu parles quoi? Quoi? Oh. Hein? Ah! Comme tu sais, avant, je sais pas si vous disiez ça, mais comme quand quelqu'un faisait un, on disait internet. Genre, c'est comme si je n'avais jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. You're too young. On est arrivé, ça fait dans une heure. On est stationné, ça fait une heure. Je pense qu'on fait juste parler. Il y a aussi. Là, on a parlé de vous. Oui, on a parlé de vous. On a parlé de vous. Jusqu'à. On a tellement parlé. Elles ont fait 360. Elles ont revenu sur le même sujet. Non, c'est juste pas là-bas comme ça. Donne à ta tante. Non, non, c'est pas là-bas. Not gonna work. Not quickly. You died. But I know a lot of you died. You don't know lottery. Je connais des mixtapes. L'affaire, c'est que moi, je peux te donner 10 beats de Drake que tu connais. C'est ça l'affaire. Ok, mais moi, je peux te donner des beats de Chris Brown que tu connais. Vas-y. Tu connais Loyal, t'as dit. Mm-hmm. Tu connais Run It, tu l'as chanté même si tu l'avais très mal. Run It. Yeah, tu connais No Air, cause that's. Yeah, c'est ça. Sans featuring. Sans featuring. Est-ce que tu fais. C'est le beat à Chris Brown ou pas? Non, mais. Est-ce que c'est le beat? Oh my est-ce god! Est-ce que c'est le beat? On va jamais se sentir! Ok, non, je pensais non, que c'est ça que tu connaissais pas. Non. Chante Sabu Yeba's Heartbreak. Hmm? C'est pas un poème. Think about it too much. Wow, c'est vraiment bien. Arrête. Toi, tu m'énerves. C'est vraiment bien. Vas-y, recommence. Don't think about it too much. Ouh! Alors, faut que j'ai aimé. Non, mais là, je niaise, hein. Comme, je pense pas que je chante. Enfin, comme, elle est pas dire aux gens, yo, Vanessa, elle pensait qu'elle chantait bien. La chantait en tout, on était comme. Tu vas. T'es live. Dans le vlog. T'es en live sur YouTube. Wow! Premiere. Okay. Non, mais voilà, c'était bien quand même. Voilà, c'était bien quand même. Elle a dit, ça veut dire qu'elle a dit 100%. Voilà, ça veut dire quoi? Non. Non, c'était bon. Elle peut pas dire devant Dieu, elle a dit waouh. Non, mais c'est bon. C'était bon. Non, qu'est-ce que tu veux chanter à ton tour? Parce que je connais pas le reste de la chanson, j'aurais continué. Heartbreak Anniversary. Ok. Tu te caches ou comment? Attends, mais c'est parce que. You gotta find the voice, yep. 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 Qu'est-ce qui s'est passé, ma mère? Attends. T'es capable? Ah, vas-y, c'est bon, juste concentre-toi. On te regarde pas. Blue. Et je me télécharge. Moi, j'ai besoin d'un instru, tu comprends? Moi, je suis quelqu'un genre. Ah, ok. Tu es capable de chanter à cappella? C'est pas vrai qu'il met ça. Ouais, c'est ça, je suis pas encore rendu au niveau de Nessa, mais pour de vrai, comme. Oui, j'ai fait I'm almost there. Ok, vous êtes prêts? Oui. Ouh. Yes. Balancez. Balloons are deflated. Ouh. Ok, non. C'est bon. One thing about black people, we don't have it. Yeah, elle a Pas qu'à comparer. En passant, moi, je veux juste dire, la dernière fois qu'on était ensemble, on a chanté ça ensemble. C'est pour ça que j'ai dit ça. Miracle opéré, oh. Miracle opéré, oh. Opéré, miracle. Miracle opéré, oh. Ok, attends, toi. Ça, c'est la vraie chantée. C'est la vraie chantée. Amigala, s'il te plaît. Quelle chanson que j'ai chantée? Oui, chantez. Fandanaïo. Vous demandez beaucoup de choses, madame. Non, j'ai dit, moi, j'avais chanté toute seule. Chante Fandanaïo pour nous. Tu chantes tout seul. Non, on a besoin d'entendre ta voix. Parce que t'as pas chanté tout seul. Je sais pas chanter pour de vrai. Je connais pas chanter. C'est quelle chanson? Dis-moi une chanson que je dois chanter. Attends, une chanson que tu connais. Mais je connais pas, je sais pas ce que tu connais. Ok, go. Brother, the pink Lamborghini. This is made in China. C'est une chorégraphe. C'est une... Comment on appelle ça? Une chorale.
Ça, c'était très bien. The pink Lamborghini just a race with China. The race to China? Just a race in China. No bad Trini bitch. And she mixed with China. On my... Break it down. Pour des billets du concert de Nicki, on n'a pas les billets. Je veux que ça se lève. Mais c'est pas la même chanson. Tu me demandes de chanter Super Bass? On est on. No, this one is for the boy with the boom assistant. Top down, AC with the coolest. When he come in the club, he's blazing up. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai mis un petit pyjama cute sur moi. Laissez-moi te raconter comment on s'est retrouvé du Evalina's au Arthur's Nosh Bar. Okay. So, dans le fond, okay, notre réservation était à 1h45. Je suis sortie de chez moi à 1h30. La même façon que j'étais en train de crier, je vais être là à l'heure, je vais être là à l'heure. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que je me suis vraiment réveillée à 8h du matin. Puis dès que je me suis réveillée, j'ai fait tout ce que en mon pouvoir pour arriver à l'heure. Bref, je suis arrivée là-bas à 2h10. So, j'avais 25 minutes de retard. 25 minutes de retard, ouais. On va dire une affaire de même. Ouais, 25 minutes de retard. Quand j'ai remarqué, parce que je savais, quand je suis partie de chez moi à 1h30, je savais que j'allais être en retard là, regarde, j'ai mis dans mon GPS, là, ça, ils m'ont dit 38 minutes, je suis genre, wow, où est-ce que c'est, à l'autre bout du monde, so, comme c'est à 38 minutes de chez moi, j'ai appelé les filles, puis j'ai demandé, tu sais, vous êtes où, where are you guys at, Candy m'a dit, elle arrive 20 minutes, dans 20 minutes, ok, puis était genre, ça allait faire qu'elle arrivait, elle allait arriver dans le temps de la réservation, genre un peu en retard, mais dans le temps avant qu'ils annulent. Pourquoi Candy arrive après moi? Pourquoi Candy est arrivée après moi? Je suis arrivée la première. So, j'ai été voir l'hôtesse, on va dire. Puis je parlais avec lui, puis j'étais genre, l'hôte? I don't know how to say this word. Mais j'étais allée lui parler, puis j'étais genre, ouais. Je suis déconcentrée parce que j'essaie de regarder la game en même temps. Je veux trop que les Lakers gang, mais ils sont en train de perdre. C'est 28 à 14 pour Denver. Like, it's not looking good for Lakers. Ils sont 2-0 dans la série. Ils peuvent bien perdre s'ils laissent Denver gagner aujourd'hui. Ça va être. It's gonna be a wrap for them. It's a wrap for you, baby. C'est ça. Quand j'ai été voir l'hôtesse, right? Je veux dire l'hôtesse, même si c'est un gars, I don't care, ok. Quand j'ai été le voir, j'ai demandé, oh, est-ce que vous avez la réservation de Candy? Je savais très bien qu'il l'avait plus, ok. Parce que je suis rentrée dans l'endroit, puis j'étais genre, pourquoi il y a deux tables, puis un bar, puis il y a genre trois tables. C'est comme, il y a pas genre 80 personnes dans la place, ok. C'est pas un gros genre coffee, là, là, là. Ok, whoosh! So, quand j'ai été lui parler, j'ai demandé, tu sais, est-ce que vous avez encore la réservation de Candy? Sachant très bien qu'il n'avait plus la réservation parce que... Je suis arrivée comme 15 minutes après. Non, je suis arrivée 10 minutes après le 15 minutes de période de grâce, right? So, il m'a dit non, ils ont donné la table. J'ai genre, arrête, c'est posé. Comme, dans combien de temps on pourrait avoir une table? Il m'a dit 45 minutes, 1 heure. So, j'ai appelé les filles. J'ai genre, ouais, c'est ça qui se passe présentement. On s'est retrouvés dans le stationnement et on a tous embarqué dans mon auto. Puis on a été. On est tous, ou whatever, on est embarqué dans mon auto,
Puis, puis on a été au Arthur's. Pour le vrai, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que c'était tellement bon. Comme, pour le vrai, 10 sur 10. Comme, aucun regret. On ira une autre fois, oui, Valina. Like, it's not gonna shut down, I hope. LeBron James vient de miss a free throw. Like, bro, these are the points we need right now. Dis-moi des endroits de déjeuner comme sous-côté que je devrais aller essayer. Parle-moi pas de genre des grandes chaînes genre Pétinos, Alamo Coco là. Ok? Le Frier, don't talk about Le Frier, don't talk about Benny Florentine. Dis-moi des endroits genre sous-côté, genre, you know, un petit peu caché que je peux essayer dans les commentaires. Puis, c'est ça. Ok, guys, je suis en FaceTime avec Ruth. Ok, je vais pas vous la montrer là, mais c'est pas grave. L'Écusse a perdu sa c'est 3-0 dans la série. J'en peux plus. Elle, Ruth, elle vote pour Denver, ok? Elle vote pour Denver. Mais moi. Denver. Vous l'entendez, vous l'entendez. Mais moi, j'arrive pas à y croire. Comme si t'es pour perdre 3-0, ok? Puis là, tu vas faire un autre match. Puis s'ils sont pour perdre 4-0. Ok, ils auraient pu juste laisser Golden State gagner. C'est ça que je disais tout à l'heure. Comme si c'était pour faire ça, vous auriez pu laisser Golden State aller, genre. Parce que je suis sûre que Golden State aurait battu jusqu'au sang. Ok, c'est pas l'arbitre qui sont en train de signer, c'est eux qui sont en train de signer. Là maintenant, guys, je suis trop énervée parce que comme, personne a jamais remonté de 3-0, genre. Ça, it never happened in history of NBA, whatever, ça était hier. Now I'm pissed. Là, je suis en train de dire à Ruth, là, comme, moi, je peux plus regarder ce sport-là. Parce que c'est pour m'énerver comme ça, c'est pour que les joueurs m'énervent comme ça. Je vais commencer à regarder la MLB, je vais commencer à regarder les gens jouer au baseball or something. Because this is a lot for me. Anyways. Non, tu sais, qu'est-ce que tu dois dire à Lakers? De quoi? Tu dois dire à Lakers, thank you for nothing. Thank you for nothing, for real. Because what was that? For, like, all this effort for that? Like, je regarde les joueurs, il y en a qui jouent tellement bien, qui essaient tellement de s'appliquer. Bro, arrêtez de shooter des 3 points si tu sais que tu peux aller faire autre chose et le faire rentrer. Like, we're still gonna get points out of other things. Anyways, child, this is annoying. Et j'arrive pas à croire qu'il manquait des lay-up, pas des lay-up, des free throws. I was like, yo, guys, are you serious? Anyways, I can't believe this. Comme c'est pas le moment, hein, c'est pas le moment. It's really not the time. Anyways, Ruth, elle dit ça, mais elle veut que Denver gagne. Elle disait que Denver en 6, it's looking like Denver en même 4. Like, s'ils font un effort pour gagner l'autre prochaine, c'est Denver en 5. No cap. Bro. Ouais, est-ce que tu penses qu'il pourrait make history? Comment? Gagner 4 games de suite? That would be crazy. Imagine, gagne 4 games de suite, puis après ça, ils vont jouer en finale, puis ils gagnent les 4 games de suite. Ok, pour le non, chose. Please, please. Crazy. Anyways, guys, je ferme le vlog officiellement pour de vrai cette fois-ci. Ok? Merci, bonne nuit.